Vous allez bien? Bienvenue dans cette aventure d'Exanima, la suite d'Exanima. On continue, je suis amoureux du jeu. C'est décidé, c'est clair. Mon personnage commence à avoir un équipement formidable. Mais ça n'empêche pas que je galère à fond. Pardonnez-moi. Du coup, ouais, je galère à fond. Hein. Ma barre de vie est en galère de fou. Les ennemis sont tous plus énervés les uns que les autres. Le challenge est plus là que jamais. Et d'où Dwalin Junior va continuer son aventure et essayer de survivre, de se sauver de tout ce délire. Pour info, sur cet écran, tu peux respect tes skills. Respect. Retravailler les skills, tu veux dire? Ou juste voir mes skills, j'ai pas compris Redfield. Bon, la dernière fois, on s'était laissé ici. J'avais combattu contre un démon dégueulasse venu de sous-terre. Un ennemi avec une grande épée à deux mains qui m'a fait très très mal. Le combat était très très dur. L'échanger. Ah ouais? Genre ça, j'aurais pu le remplacer par autre chose? C'est ça que tu voulais dire? Bref, un combat incroyable. On a fini en climax le dernier live et la dernière VOD sur Exanima. On est reparti pour la suite. On est vraiment arrivé à un stade du jeu où c'est encore plus creepy et ça fait encore plus peur qu'au début parce qu'on a tout ce background. J'ai une histoire, j'ai un background maintenant. Mon personnage, on l'a gardé pendant, je sais pas moi, plus de 10 heures de jeu. J'ai vraiment pas envie qu'il meure et j'arrive devant... J'ai l'impression de prendre du loot, des armures qui me permettent d'être large au niveau du gameplay et d'arriver face à des ennemis. Je suis en mode ah, ça va, c'est gagné, je vais pas me faire déglinguer. Et en fait je me fais quand même déglinguer et je sais que je galère à chaque fois, bref. Et du coup c'est ce qui fait que le gameplay est vraiment trop cool de A à Z et que j'ai envie de continuer et que je suis amoureux du jeu quand même. Voilà, juste pour être sûr, voilà, pour être sûr de moi, voilà, l'équipement que je laisse sur l'ennemi n'a rien de démentiel. Très bien. Bon, on a vu tout ça. Et bah on va continuer quoi. Il y a pas d'autre loot. Il y avait l'ennemi qui en lui-même était un très gros loot. Hein. Il m'a permis de beaucoup améliorer mon équipement. À part ça, je crois qu'il y avait rien d'autre dans cette zone. Écoutez, allons-y, on continue notre chemin. Enfin, je crois qu'il y avait rien d'autre. Si, il y a un viewer qui est arrivé, qui a vu la dernière VOD de l'aventure. Hein. Et il est arrivé, il m'a dit t'as oublié un coffre dans l'endroit avec avec tous le cimetière là. Écoutez, je vais essayer de voir si je trouve. Il m'a dit pas loin de ce côté-là peut-être. Mais moi ça ne me dit rien en tout cas. Ouais, je vous invite vraiment à regarder les VOD qui viennent de sortir sur la chaîne secondaire si vous voulez suivre l'aventure ou quoi, mais. Surtout la dernière qui est sortie sur dans laquelle je dis je suis tombé amoureux du jeu à cause de ce qui se passe dans cette VOD. C'était assez dingue et le jeu au global est trop cool. Bref, je me suis bloqué là. Allô? Allô? Attends. Change ton équipement. Voilà, sors de là. Sors de là, j'en peux plus. Oh, le viewer qui m'avait dit il y a un coffre là, il est où le coffre? Je sais pas. Hein. Oh, attendez. J'ai vu une pelle. Il y avait une pelle là. Il y avait une pelle. Attendez. Elle est où? Je ne pars pas d'ici tant que j'ai pas retrouvé la pelle. J'avais vu une pelle. Je suis pas fou? Je crois que j'ai vu une pelle. Il y a pas une pelle et on peut déterrer les corps? Est-ce que je deviens taré? Je suis sûr d'avoir vu une pelle au sol. Je deviens fou? Excuse-moi, c'est juste après le pont cassé, ok. Je suis le seul à avoir imaginé une pelle dans ma tête ou... Est-ce que vous avez vu une pelle dans le chat? Là! 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 Qu'est-ce qu'il fait? Oh! Tiens-toi, mon gars, tiens-toi! Par contre, j'ai plus du tout d'espace au niveau de l'équipement, quoi.
C'est une catastrophe. Bon, ça, cette épée magnifique que j'ai eue à la sueur de mon front, malheureusement, il est temps de l'abandonner. Et du coup, est-ce qu'il y a moyen d'interagir avec? Ah non, il n'y a pas moyen. Je me disais, je fais double clic gauche sur la pelle et ça va me permettre de l'utiliser comme une clé sur les tombes. Et il va creuser et tout, mais non. Malheureusement, ce n'est pas une feature. J'y ai cru. Ça aurait été stylé qu'on puisse creuser et tout. Trouver du loot et tout. Bref, on a passé trop de temps ici. Le combat ici était sympa, mais ça s'arrête là. Tout va bien. J'étais persuadé que la porte allait s'ouvrir, en fait je me suis cassé les... Je me suis pété les burnes dessus. Mon personnage... Ah ! Mais je suis coincé, le portail, oh ! Alors attendez, est-ce que j'ai d'huile ? Non. J'ai 3 orbes qui me permettent d'améliorer mon équipement. Ça c'est vraiment stylé, pardon. Mais je ne l'ai pas utilisé. On s'était dit, la dernière fois, qu'il pouvait être intéressant d'améliorer cette cuirasse très bien faite, en très bonne condition. L'améliorer avec les orbes, ce qui me permettrait de prendre moins de coups et tout. On va voir. Je sais pas. J'ai peur d'améliorer sur les mauvais équipements, les mauvais... Ah oui, alors attendez, il était plus intéressant sur... ce jeu-là, que je me mette à droite, voilà. Ça dérangeait moins au niveau des menus d'inventaire et tout. Alors du côté du pont, on m'a dit ? Rien du tout. Écoutez, là-bas, j'y étais pas allé. On va y aller après. J'avais décidé de tourner à droite. Mais là, j'ai pas tout exploré de ce côté-là. On était allé tout droit pour trouver le cimetière. Y'a quelque chose là-dedans? Coucou! Des mains? La voie est close. Elle est morte, la garde. C'est pas un truc comme ça? Je me rappelle plus des répliques du Seigneur des Anneaux en VF, je suis un peu déçu de ça. Je suis revenu sur mon chemin. Ah, la catastrophe! Tout va bien, je sais me repérer, je suis un expert, je suis le guide touristique, je connais très bien l'endroit. Suivez-moi. Ah non, mais on avait tout regardé, effectivement. Ici, il y a un lieu qui a l'air très sympa, très stylé. Merde, pardon, Scoozy. Oh, je me disais qu'il y avait des problèmes de FPS. On avait The Finals qui tournait en fond. Non mais des fois, vous avez vu, il y a la vie qui vous fait faire des choses et qui vous met dans le bien. Je me disais, on a des pertes de FPS, je sais pas pourquoi, alors que d'habitude ça marche très bien. C'est parce que j'avais deux jeux qui tournaient en même temps. Pas mal. Bon, ok, donc j'avais tout exploré de ce côté-là. On continue ici. Et je veux pas tomber. Ok. Là, je mets un pied dans le trou. C'est pas un jeu qui vous fait des... Qui vous fait des bisous, hein. Qui vous mâche tout le travail. Je vais pas voler au-dessus du vide. Non, non, mon pied, il passe dans le trou, c'est terminé. Avec l'armure, je chute et c'est fini. Merci beaucoup, Palpou, pour le Prime. Merci beaucoup. Qu'est-ce que j'ai raté? On vient de commencer. Je suis sorti du cimetière où la dernière fois on s'est arrêté. Et donc, tu n'as rien raté. On continue. Y'a quelqu'un? Il faut toujours suivre son nez. Ça a l'air d'être un lieu de culte chelou ici, là, ça me plaît pas. Je regarde du côté des urnes s'il y a rien à gratter comme loot ou s'il y a pas un petit loot caché. De toute façon, une potion de vie, on ne la raterait pas du tout. Impossible de la rater, la potion de vie. Et actuellement, c'est ce que j'ai besoin. Qu'est-ce que c'est, ça? Vambrace.
C'est quoi, c'est un brassard? Est-ce qu'il est mieux que celui que j'ai? Heavy Embrace. Il est à chier. Voilà. Petit brassard à chier comparé à... C'est pas brassard, hein. Putain, je sais plus comment ça s'appelle. Le truc qu'on met sur l'avant-bras, là. J'ai plus. Bref. La petite défense d'avant-bras. Celle que j'ai actuellement eu. Si, brassard, non? Mais on avait déjà eu le débat et je me rappelle plus où est-ce qu'on était, où est-ce qu'on est parti. Pour moi, c'est brassard, c'est... Oh, y a un truc là. Y a un truc, regardez. Je savais. Alors, comment dire? Comment dire que... Je suis extrêmement déçu. Genre... J'ai cru que j'avais trouvé le Graal. Et en fait, c'est de la merde. Ça sert à quelque chose, ça? Vous voyez le problème de ce jeu, des fois, hein, c'est ça. C'est que tu tombes sur un truc, tu ne sais même pas si ça sert à quelque chose ou pas. Tu sais pas si tu veux le garder ou pas. Après, c'est aussi la force du jeu, c'est que... Tu peux t'imaginer des trucs, tu peux partir dans des délires... Tu veux garder un objet parce que tu te dis que ça va te servir plus tard alors que ça sert à rien. Tu veux garder un objet parce que tu te dis que ça va te servir plus tard, ça va te servir plus tard. T'aurais dû prendre la poche directement. Qu'est-ce que c'est que ces viewers qui sont très perspicaces avec un streamer complètement con? Qu'est-ce que c'est que ça là? Hein? C'est de la... Qu'est-ce qui se passe là? C'est une bibliothèque? Une bibliothèque... Voilà. Alors là on a Michel, là on a Philippe, là il y a Jean-Jacques et là il y a Marie. Voilà, c'est à toi de savoir quel bouquin tu veux lire. Si tu veux faire de la divination dans les cendres ou un truc comme ça, délire chelou, hein, mais si tu veux, voilà, n'hésite pas. N'hésite pas à l'emprunter et puis tu le ramènes la semaine prochaine, quoi. un truc comme ça. Après, voilà. Chacun sa bibliothèque, bien sûr. Je ne jugerai pas. Attendez, il y a un truc, là. Il y a du loot, là. Oh, la pipe! La pipe de Gandalf! Je la prends. Je mets de la pipe. Non, j'ai même pas assez de place pour la mettre. Hop là, on prend la pipe de Gandalf. Juste pour le fun. Bon, je suis content, j'ai bien pillé les tombes. Il y avait rien du tout, il y avait un coffre dégueu. Et c'est tout. Je suis étonné. À mon avis, il devait y avoir plus de trucs. Je peux pas. Tu peux pas l'équiper? Et non. Et non, on peut pas jouer les Gandalf. On peut pas fumer du vieux Toby. Malheureusement. Tu fumes un petit vieux Toby là, hop. La barre de vie à fond. C'est pas mal. Alors, je vois plein de messages dans le chat, mais c'est difficile pour moi d'avancer dans ce jeu et à la fois lire le chat. Salut Fracas tout. Salut Fracas tous. Salut à tous, j'imagine. Premier abonnement, je crois, chez toi. Premier passage sur le live. Je retourne sur les vidéos YouTube de Manorland qui sont excellentes. Attendez, on va éviter d'avancer là. Ils sont excellentes. Je me fais Hercule César. Bon dimanche. Voilà, Hercule César. Hercule muscule. Profite bien. Merci beaucoup pour le soutien et pour le message. Des bisous. J'espère que t'es pas déjà parti. Des bisous. Faut garder la pipe, ce sera sûrement capital. Je suis d'accord, conflit de canard. Ça paraît évident. Il y a un moment, on va y avoir un banc. On va être devant une maison sous terre avec une porte d'entrée ronde, là. Il va falloir fumer, j'en suis convaincu. Et ce moment-là, je serai prêt. N'avance pas. Oui. J'ai bien compris qu'il fallait pas se jeter dans le vide. Je pense, hein. Encore un pont! C'est le niveau, hein, c'est le design du niveau, là. On avait jamais vu de pont avant, donc... Autant... Non mais attendez, y a pas quelque chose à faire avec le bras zéro là. Bon, visiblement non. Je sais pas, y a des bras zéro partout, ils sont pas allumés, on sait pas ce que... On sait pas, on ne sait pas. Je ne sais pas, personne ne sait. Y'a quelqu'un? Est-ce que quelqu'un se tapit dans l'ombre?
qu'il se montre. Ou se taise à jamais. Attends, mais c'est la première fois que je vois des grandes pièces comme ça qui servent absolument à rien dans le jeu. On arrive vraiment à un moment du jeu où... où les mécaniques changent, quoi. Avant, t'arrivais dans une grande pièce comme ça, il y avait un milliard de trucs. Oh ! La sortie ? Mais Je suis revenu sur mes pas ? I don't remember, je sais plus. Je ne sais plus, qu'est-ce qui s'est passé ? On va arriver où, là ? Oh, je suis carrément revenu sur mes pas. Et pas du tout. Attendez. Y'a quoi là? Bah si, je suis carrément revenu sur les pas là. Je reconnais plus. La carte. Je suis là. Ouais, je suis là, donc je suis revenu en arrière. Ah, ce jeu terrible. La catastrophe. Mais la dernière fois qu'on est descendu là, j'étais pas arrivé dans une grotte directement. J'ai pas le souvenir d'avoir pop ici, hein. Salut, je viens de YouTube. Je suis sur Cœur Vaillant en ce moment et je kiffe l'aventure. Oh là là, un plaisir, kiffe bien. On va continuer l'aventure ce soir, nous, sur Live Twitch. Bienvenue. Je crois que j'avais déjà fait ça, que j'étais déjà parti vers ce côté-là, non ? Ça me dit rien, bordel. Là. Ah oui, ça me dit quelque chose. Un endroit où il fallait pas aller. C'est pas grave, on va finir par y arriver. Je crois que du coup, j'étais parti par là. Et que j'étais pas parti par là. Mais là, là, y'a rien. Ah, là, au bout, là. Ouais, c'est par là que j'ai pas exploré. Là, au bout, y'a le truc. Mais comment je suis censé aller là-bas? Oh là, je vois un squelette là-bas, vous voyez? Je vois un démon. Mais du coup, y'a moyen d'escalader, là, un truc comme ça? Mais comment je suis censé aller là-bas? Je n'ai jamais vu une mécanique dans ce jeu qui me permet d'ouvrir un pont ou quelque chose comme ça. Comment je suis censé aller là-bas? Le coffre me nargue. Ça veut dire qu'on peut descendre. Ça veut dire que tu peux chuter. Ça veut dire que tu peux chuter et rester en vie. Ça voudrait dire qu'on peut sauter. Ça voudrait dire qu'il faut sauter. Non mais là, là je tourne en rond là. Là c'est l'endroit où au bout il y a le cimetière là. Bien sûr que c'est ça. Bien sûr. Déplace des planches. C'est chaud. Ça veut toujours dire que c'est la demeure. C'est la demeure de descendre. De chuter, j'imagine. Bon, tu sais, moi je vois un ennemi, je vois ça comme un challenge. Hein. Je suis prêt à les combattre. Et du coup, si je continue sur ce chemin-là, ça va me mener à... retour à la case départ, quoi. Oh, le labyrinthe. Coucou. Y'a quelqu'un? Y'a des méchants qui veulent ma peau? Ça fait longtemps que je me suis pas battu, là, j'ai peur. Je crois que je suis déjà passé par là. Et un coffre là vide, donc oui. Oui, c'est juste là le coffre dont je parlais. Et ben, bah merci à toi. Et ben, merci pour ton soutien. Merci pour l'astuce. Très content d'être venu jusqu'ici. Je sais pas s'il est censé être vide de base. Je reviens à gauche. Oh putain, je l'ai vu. Même pas eu besoin de backseat. Oh putain. Oh putain. Alors les gants. Heavy. Oh, ils sont mieux.
Ils sont mieux. On a des gants tout shiny, tout magnifique là. Super. C'était bizarre en même temps d'avoir un coffre vide et que... Y'a rien dans les parages. Ok, pas mal. Ça va me rendre fou ces ponts. Mais calme-toi, Jean-Jean. Qu'est-ce qui te prend? Tu es traumatisé du pont de Kazakhdoum, c'est ça? Depuis tout ce temps, t'en peux plus des ponts? De cet événement funeste, on a perdu notre ami à barbe blanche. À cause de toi, je me suis mis à Exanima. C'est toujours... On remarquera, hein, à chaque fois qu'un viewer vient me dire « j'ai joué à un jeu parce que j'ai découvert avec tes vidéos machin ou tes lives », c'est toujours « à cause de toi !» C'est pas « grâce à toi !» Non, en vrai, si, il y en a beaucoup qui disent « grâce à toi aussi hein. ». Je déconne. Mais on voit tout de suite la différence de vision hein, sur certaines personnes, quoi. « À cause de toi, je me suis mis avec Zanima !» On comprend mieux la difficulté quand on y joue. Ouais, je pense que tu débarques sur le live, et tu vois le mec se balader dans des donjons... Il fait sa petite aventure machin, tu te dis ouais c'est quoi ce jeu avec ces donjons bizarres machin. Mais quand tu joues, là tu comprends. là tu comprends ce qui se passe. Là. Quand tu as vu mes débuts, je pense que quand t'as vu les débuts de cette aventure, tu comprends aussi à quel point je galérais au début et à quel point la courbe d'apprentissage a été tout doux. Putain, mais j'ai aucune idée de ce qu'il faut faire. Je suis à ce niveau-là aussi, sur ma dernière run, et Derain est tombé dans la falaise. Il est tombé de la falaise. Ah ouais? Avec ton perso, t'es tombé? Catastrophe. Pas moyen d'allumer ça d'une manière ou d'une autre, là? Je suis perplexe face au chemin qui s'impose face à moi. Je suis perdu dans la Moria. Ah! Tout va bien. Mais non, mais ça, c'est le point d'où je suis arrivé, ça. Ça, voilà. Moi, je suis arrivé par là. Là, je suis arrivé par ici. Ça, je reconnais. Ça me dit quelque chose. Voilà. Là, moi, je suis rentré par là. Je suis rentré par là avec la tombe et tout. Et du coup, si je regarde la map, ça correspond à... Je sais pas. Ça? Non, hein. Le... Hein? J'ai cru que c'était des pics et j'étais dans un piège. La panique. Là, quatre piliers là. Non. 4 piliers là? Non. En bas à droite? En bas à droite? Non, il n'y a pas 4 piliers là. Derrière moi, regardez, ça n'a rien à voir. Ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure lorsqu'on est remonté. Putain, je comprends rien. J'aimerais bien savoir où est-ce que je suis ressorti, bordel. Attendez, on va scanner. Ça, c'est non. Toutes les salles avec 4 piliers. Là? Ouais, là, peut-être. C'est une école? Ouais, école un peu chelou quand même. Pas trop envie d'aller étudier là-bas. Attends, je cale la boussole. Alors, le nord. Le nord, du coup, c'est censé être dans ce sens-là. Là. De gauche à droite. Je reconnais, hop! Je suis passé à un autre étage, c'est ça? Je suis pas au bon étage? Qu'est-ce que c'est que ces conneries, hein? Attends, mais je suis remonté à un nouvel étage, là? Quand tu montes un escalier, ça t'amène pas forcément à l'étage du dessus? Ouais, je viens de me faire matrixer, là. Ça, c'est là où on est là. C'est carrément là où on est. Putain, ma conception du jeu, ça a toujours été un étage et en dessous, au-dessus de l'un de l'autre et tout. Mais en fait, au même étage, tu peux avoir le même
Tu peux avoir deux donjons différents. Putain. Putain. Mais comment je vais sortir de là? Comment? Bordel de merde. Welcome to a real dungeon. Redfield qui savait. Il savait depuis le début. Mais du coup, peut-être que le but n'est pas de rester dans ce... dans ce donjon très profond. C'est pas tout à fait vrai, mais j'en dis pas plus. Ah. Oh là 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 là, et en vrai... Je me demande surtout qui est l'architecte de ce donjon. Bon là, ça me mène à la catastrophe nommée le cimetière, non? Pas du tout. Là, c'est ce que je viens de loot. Je sais même pas si le but du jeu c'est d'aller plus profondément. Aïe aïe aïe. Et si je reste paumé trop longtemps, je crois que je vais accepter le spoil. Hein. Attendez, là c'est risqué, il faut pas que je m'arrête. J'ai détecté quand il a fini la construction qu'il vient de faire son topo. Et qu'il vient faire son topo. C'est un bordel! Là, ça mène au cimetière. On voit rien ici, bordel, on voit rien. Voilà, là, c'est cimetière ou la porte. La porte, là, je suis la porte qui mène au coffre chelou. Mais là, je ne comprends pas comment je suis censé aller là-bas. C'est impossible. Il n'y a pas d'accès. La seule poignée pour ouvrir, c'est là. Sauf que c'est de l'autre côté, je peux pas l'ouvrir. C'est une énigme que je ne résoudrai jamais. Par rapport aux mécaniques de jeu que j'ai vues jusqu'à maintenant, il n'y a rien qui correspond, quoi. De ce côté-là, c'est le fucking point de... On va l'ouvrir, ça. On va l'ouvrir parce que à force, ça casse les couilles. C'est le fucking point de départ de la VOD, ça. Oh, ça fait 30 minutes qu'on tourne en rond. Là, y'a rien du tout. On soit clair. Juste tabasser un ennemi. Et voilà. Je crois que c'est de l'autre côté du ravin de tout à l'heure. Est-ce que tu vois? Je crois que c'est l'autre côté du ravin de tout à l'heure. Oui, oui, bien sûr. Tout à l'heure, on voyait cet endroit de l'autre côté. On voyait de là-bas, là. Là où je mets mon curseur. Mais ça ne me dit pas comment il atteint le bordel. Pour autant. C'est tellement le bordel qu'ils ont même mis un cimetière dans le donjon. C'est plus simple de les laisser là que de les remonter à leur surface. C'est vrai. Tout ce qu'il dit est vrai. Bon, du coup, là c'est cimetière tout ça. Là, y a moyen d'aller en dessous, non? J'aimerais drop une source de lumière pour éclairer en dessous, genre, pour voir ce qui se passe en dessous. Là, y a moyen de descendre? Là, voilà, là, c'est le truc. Ah. Sinon, je descends, genre. Mais là, si je descends, c'est terminé, genre. La game est pliée. Il y a un zombie, là. Enfin, un zombie, hein. Un squelette. Mais c'est le seul... C'est la seule suite que je vois. Là, c'est là d'où je viens d'arriver. Là, ça nous fait faire le tour. Là,
Là, c'est là où il y a le coffre de mort. Désolé, hein, je suis perdu dans mon repérage là, mais même pas, il y a même pas le coffre de mort là. Là, il y a rien du tout. Là, par contre, là c'est la mort. Là, si on arrive au plus profond du plus profond cachot du bordel. Là, on repart en arrière. Marche arrière, marche arrière. Tu veux un int? Un int? Un petit tuyau? Ouais, j'avoue, Redfield, je veux bien, ouais. Je veux bien un petit tips. Un petit indice, je suis chaud. Smart pour la source de lumière. Ouais, mais ça n'existe pas. Genre, bah déjà, j'ai pas envie de perdre la torche. Je n'ai jamais vu une torche dans le reste du jeu. Ah si, regardez, il y a moyen. Il y aurait moyen que je droppe le truc. Oh, je pense que c'est du cheat. Je pense que c'est considéré un peu comme du cheat. Mais écoutez, tant pis. Verso peut effectivement remonter les parois assez raides. Ah ouais? Vas-y. Éclair, mec. Non mais en vrai, on peut descendre là. Non. La fleur en bouquet fan. Jamais de René. Merci. On comprend rien de ce qu'il dit. Vous avez dit qu'on comprend rien. Dans ce niveau, il n'y a que deux sorties. Et c'est tout. Ce niveau est un niveau bonus. Tu es dans le niveau 2.5. Entre le 2 et le 3. Ok. Merci beaucoup, Redfield. Bon, ok, donc c'est ça. Je savais pas qu'il y avait du bonus et tout. Mais du coup, j'ai envie d'y aller. Hein. J'ai envie d'aller dans les profondeurs. Mais si, ça va être la fin de la game. Flawless condition. Flawless, c'est le top du top. Je sais plus. Il y avait perfect condition aussi. Ah, je peux plus améliorer mon plastron. Bon, j'ai amélioré mon plastron. Les épaulettes, elles sont déjà au top du top. J'ai mon torse, j'ai tout. J'ai tout. J'ai envie d'y aller. Je tente. Oh, la descente. La descente aux enfers. On n'a jamais fait. C'est peut-être la fin de la game. C'est peut-être la descente abyssale qui me mène à la fin. Ça me fait très très mal, mais je sais qu'il y a un ennemi qui est pas loin. Non, 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 tombe pas, mec, tombe pas! Rêve-toi. Allez, on change d'arme. On prend le bouclier. On y va. Parade. Oh, putain, il frappe tellement vite. On voit rien dans cette... Stock. Tiens, prends ça dans ta gueule. Coup dans la tête. Oh là là, il me frappe dans le torse. Mais frappe! Imbécile! Frappe, je te dis! Oh, il se casse la gueule, il se casse! Mais non, c'est la fin de la game. Prends ça! Prends ça. Allez, casse-toi la gueule. Oh, il m'a déglingué. Oh, c'est perdu. Oh, la pute! J'ai cru qu'il allait se casser la gueule et que... Task fatal error. Task execute. Hilt. Quoi?
J'ai eu un crash? Non. Non, non. Le jeu a crash et du coup. J'ai jamais vu ça. On a créé un crash ultime. Personne n'a été assez con pour aller affronter ce squelette en bas. J'ai fini la game? J'ai plié les jeux? Bah fatale erreur. Tu meurs le jeu aussi. Frack, I cannot die. Est-ce que c'est une chance que le jeu me donne? J'alt F4 et je reviens et puis c'est bon? YouTube, on reste ensemble, j'alt F4. Oh la fatale erreur. Oh le petit son. Continue. Où est mon épée? Putain, ça va m'amener où? Ça va m'amener en plein dans le fight. Prends ça, fils de pute! Tu m'auras pas! Bonjour Saint-Denis! Tiens, prends ça! Prends ça! Prends ça! Arrête de me tourner autour, j'en peux plus. Mon mec est trop lent, il arrive plus à frapper. J'en peux plus. Stock. Non. Allez, remets-toi, bien. Allez, tu tiens. Défense. On frappe. Allez. Petit pas. On frappe. Et il esquive tout. Dégage ta mère. Il va finir par se casser la gueule un jour ou pas là? Ah, on peut plus. Il me déglingue. Faut que je sorte de là. Comment je peux sortir de là? Je peux améliorer mes compétences, je sais pas quoi améliorer, je sais pas moi. Plus... Allez hop, moins d'encombrement. Encombrement. Il est parti. Tu lises tes sorts, mais quoi mes sorts? Pour le rendre plus calme et tout? Je connais plus mes sorts. Calme. Oh, je suis descendu là-dedans. De remonter. Ah là, ça passe là. Et là hop. Et vas-y.
Tombe en avant si tu veux, tombe en avant. Ok. Plus jamais. Là, j'ai jamais été dans un niveau aussi critique de l'aventure. J'ai un PV. Pour rappel, si ma barre de vie là arrive à zéro, c'est terminé. POV, t'es un cheval dans Skyrim. Attendez, mais peut-être qu'il y a moyen de monter la falaise escarpée là. Du coup. Il va où lui? J'essaie de voir s'il mène à des nouveaux endroits, genre. Vas-y, vas-y, essaye de venir me claquer, hein. Je t'attends, mec. Ok, ok, il essaye alors qu'il est en dessous. Je vois bien. Il a pas l'air d'avoir de chemin pour venir me claquer. Vas-y, attends, mais peut-être qu'il va monter, là. Il va monter, 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 il va monter. Putain, je suis trop con. Elle est où ma petite épée? J'ai mis où ma petite épée? Putain, il y avait rien là-dedans. Plus de magie, j'ai plus de magie. Je sais plus où aller. Je me casse. Mais comment je peux faire pour retrouver de la vie et tout? C'est une catastrophe. Je mérite de perdre. Je mérite de perdre après ce move. J'ai perdu toute ma vie pour rien, pour essayer de tabasser un squelette. Tu l'as laissé par terre dans le ravin, c'est vrai? Bon bah on se battra avec cette épée maintenant. Un peu con de ma part là. Par contre quand j'ai le bouclier, c'est une catastrophe à quel point je frappe lentement genre. Alors que si je me mets avec une arme à deux mains, ça fait quoi? Ouais, sans plus. Hein. Faut revoir tes skills, je pense, tu peux les changer. Mais en vrai, mes skills... En vrai... Non, ça va la musique, hein. Mes skills, moi, ils me vont bien, hein. Attends, mais genre là, si je fais... Si j'oublie cette technique-là, ça va me permettre de la changer en autre chose? T'as celui qui permet de taper en parent. Use two weapons to attack. Abandon your attack. After a parry, immediately follow a swing with another. Non. Non, 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 j'ai pas. J'ai pas celui qui permet d'attaquer en parent. Et c'est vrai qu'il a l'air très 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 puissant celui-là. Surtout lorsque j'ai un bouclier en fait. Ouais, j'avoue que en fait il y a l'air essentiel celui-là. Je crois que oui. Il te serait utile avec le bouclier. Ouais, c'est ça en fait, c'est ça qui me manquait. Lorsque je donnais des coups, il m'arrêtait à chaque fois. Allez, je vais tenter.
se passe plutôt bien cette game. Cette session Exanima là, je sens qu'elle va, on va atteindre des sommets. Putain. Ah mais attends. Ça c'est le vrai chemin en fait. Y a pas moyen d'avancer plus. Ah, j'avais pas compris. Ah mais non, mais toujours pas en fait. Bordel de cul. La carte. Là je suis là. Ah, on peut sortir par là? Absolument. Et du coup, cet endroit me permet d'aller mais ça, je crois que c'est un vieux niveau, genre vieux. Je pense qu'il faut que je retourne dans le prochain. Mais je veux pas retourner dans les profondeurs là. On va aller là-haut là. Ça sera très bien. On va voir ce que ça va donner. Est-ce que je peux retrouver de la vie là-dedans? Non mais j'ai déjà tout loot en long, en large et en travers en vrai. J'essaye de me balader mais... Jamais je vais trouver J'ai trouvé de la vie là-dedans. Pratique la map, j'en ai pas trouvé encore. Faut chercher dans les... Dans les... Merde, comment t'appelles ça? Les pupitres. Les pupitres qui te permettent de... Ah, un petit coffre caché là. Oh, j'ai cru que c'était de la vie, je suis dégoûté. Dégoûté. Oh, je suis dégoûté. J'ai cru au miracle. J'ai cru à la... À la volonté divine. J'ai cru au destin qui vient nous sauver. Qui vient nous tendre la main. Mais non. Mon destin, c'est de finir sous un lit en PLS. Et de chialer. C'est sûr. Arwa Anoth. Bienvenue. Bienvenue sur le live. Le live de la dépression. Non, le live de la détente, pardon. Je me suis trompé de mot. Là, il y a un bocal de vie, mais il n'y a pas de vie dedans. C'est après le portail, là. C'est au même niveau que le portail, mais dans un... C'est au même étage, voilà. C'est au même étage que le portail, mais c'est pas le même niveau, voilà. De ce que j'ai compris. De ce que j'ai compris du jeu et de comment il marche. C'est ça que je comprends. Alors, je suis où, là? On est où, la carte? Pour moi, il faut que j'aille là-bas. Que je l'avais fait, ça. Bordel, je suis où? Je suis remonté par là. Et là, je dois être... Je dois être dans ces bordels-là. Là. Hop là. T'as déjà eu combien de potions de soie depuis le début, Fraca? 3, je dirais. Je crois que j'en ai eu 3. Ouais, minimum 2, je crois que j'en ai eu 3. Genre, ouais. Ouais, le chat a l'air de me dire que j'ai déjà eu bien plus que ce que j'étais censé avoir, quoi. Ah, ça y est, j'y suis. Si c'est 3, j'ai une mauvaise nouvelle. Non, mais attends, tu vas me dire que c'est la fin du jeu? C'est la fin au niveau des potions de vie? Mais non. Mais non. Impossible. Genre, je suis pas loin de la fin du jeu, là. Je m'en rends pas du tout compte.
Putain, merde. Ah, je suis là. Je crois. Je crois que je suis là. Le nombre de cartes. Là, on a le petit couloir. Là, on a la pièce qui permet d'aller par là. Ok. Et donc, le seul endroit que j'ai pas trop exploré, c'est par là, je crois. On va faire ça. Pas de spoil, sauf si j'autorise dans le chat, s'il vous plaît. Bon alors tout ça, ça a été loot. Bordel. Hop là. On va mettre ça dans le coin. Et on y va. Quelque chose là-dedans ? Des racks d'outils là ? Il est où? Voilà, donc là je l'ai calmé avec mon sort. Là, j'ai utilisé un sort, je l'ai calmé normalement. Mais calmé, c'est juste il arrête de me suivre en fait. Je le déglingue, il faut que je puisse looter la salle. Je le déglingue. Ah, ça c'est pas un squelette, je connais un peu. On se rapproche tout doucement. Il y en a deux, il y en a deux sa mère, il y en a deux. Allez hop. Voilà, ok, ça c'est pas mal. Faire la gueule de l'autre. Ah, c'est quand même autre chose hein. En termes d'ennemis. Voilà, on n'est pas sur la même. Les squelettes. Entre ça et les squelettes, il y a un niveau de différence qui est ahurissant. Genre, un truc de fou. Avant, je me faisais déglinguer. Là, bam bam, voilà, je les gère sans aucun souci. C'est temporaire, les sorts, faut pas oublier. Ok. Petite question, est-ce que le fait que ton perso soit lent... peut-être lié à tout le stuff d'équipement que tu as accumulé dans ton inventaire. De ce que j'ai compris, non. C'est seulement l'équipement que j'ai sur moi qui va poser problème. Bon, alors voilà, là j'ai encore un... Il y a encore de quoi améliorer mon équipement, mais rien d'autre quoi. Je crois que je vais jeter ce bouclier là. Parce que ça donne ça. Ah, il est quand même tout petit le bouclier. Hein. Oh là 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 là, j'en sais rien. J'en sais rien de qu'est-ce qu'il faut prendre. Bon, ça on le tège. Tous les équipements en trop, je vais tout virer, je crois. Je pense pas que je vais retomber sur un camarade avant la fin de l'aventure. Squelette, faut pas des armes contondantes. Si, sûrement. Vous avez sûrement grandement raison là-dessus.
mais j'avoue ne jamais avoir utilisé des armes contendantes, donc... Comme le jeu est très poussé pour chaque mécanique d'arme, moi j'essaye de plutôt me concentrer sur... mes qualités de d'épéiste, quoi. Donc ouais. C'est pas... pas glorieux de se battre à l'épée contre eux, mais... Mais je me bats avec, avec ce que je sais, quoi. J'ai l'impression d'être tombé dans l'armure, il y a peut-être moyen de... de trouver quelque chose d'intéressant. A high quality. Ça. Contre. Cette épée. Impact. Moins d'impact. Moins de balance. Non, autant de balance. Moins de slash, moins de trust. Non, non, mais l'épée reste dominante, hein, qu'on soit clair. L'épée à deux mains, elle est dingue, là. Peut-être pas, mais peut-être que mes épées à une main, c'est de la merde. Tu peux pas utiliser la pierre aiguisée? Non, jamais. Non, non, non. C'est le bordel dans ton inventaire, ouais. De fou. Oh là là. Alors. C'est le moment de la game où j'essaie toutes les clés que j'ai trouvées pendant toute la game. Parce que là, j'ai aucune idée. Oh putain! De si j'avais trouvé la clé ou non. Morale de l'histoire, ne jamais lâcher les clés. Oh bordel, j'ai cru que ça allait être le Saint Graal. On allait trouver la suite incroyable de l'aventure, mais... au final, on est tombé sur... Oh! Oh merde, c'est une épée à bout... à bout pas pointu. Et du coup... elle va faire moins de dégâts. Ouais, elle est moins bien que celle que j'ai. Elle a plus d'impact. Mais c'est pas glorieux. Un peu à quoi ressemble la Zweihänder, je crois que c'est moi ça qu'ils appellent, non? Elle est sympa, elle mérite d'avoir un style très 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 cool. Une épée de bourreau, effectivement. Bon, ça je pense que j'ai actuellement quelque chose de mieux. Effectivement. Donc on tège. Tout ce qui est casque, ça va être pareil. Après j'ai déjà loot en fait un de l'équipement assez dingue, donc donc tout ce qui est équipement, on s'en fout, moi je veux juste avancer dans la game, quoi. Trouver le chemin qui suit. Bonsoir les combattants, bonsoir Captain. Salut. Man 4 balles, manque de balles, pardon. Bienvenue. Bon, et bah alors plein d'équipements là-dedans, mais que de la merde comparé à ce que j'ai déjà. Et globalement, rien de fou. Oh! Ça, par contre, ça peut être intéressant. Well made. Ouais, ça contre les squelettes. Je vais faire de la place dans mon inventaire. Je vais faire de la place parce que ça me tente bien. Je sais pas, j'ai aucune idée si c'est une bonne idée de garder des parties d'équipement. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a la place pour la prendre là? Oui. Bon, là on est d'accord, il n'y avait rien. Ok, allez, on continue. Je peux spoil? Donnez-moi encore quelques minutes. Je veux voir toute la zone là, si j'ai rien oublié. Et s'il s'avère que j'ai oublié des trucs, bah je continue. S'il s'avère que je suis perdu. Ah.
semblerait qu'on soit plus sur le perdu. Parce que là, je suis remonté là-dedans. Là, c'est tout le côté flou. Je vais voir de ce côté-là. Hein. Non ? Ah, j'ai cru que c'était un escalier, mais non, ça m'amène juste à... un KGB. Pour tes compagnons, je veux dire. Ah, mais spoil pour les compagnons ? Bah non, ça fait partie du jeu, je trouve, quand même. Je garde de l'équipement pour savoir, pour au cas où, hein, et tout. Bon, je suis dans cette grande pièce. Si ça se trouve, la fin, c'est par là et c'est tout, hein. Il faut forcément que je passe par le portail, genre, pour en sortir, quoi. J'ai l'impression que c'est ça, moi. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres chemins. Si l'autre truc, c'était le niveau bonus... Vas-y, Redfield, celui qui m'a incité à jouer au jeu, forgeron de la Forge des Combattants. Dis-moi. Quel est le chemin à suivre maintenant pour la suite? J'accepte. Est-ce qu'il faut que je retourne dans le portail? Est-ce qu'il faut... Il faut que j'affronte mes peurs? Est-ce que c'est ça le but de ce jeu? La suite, c'est le portail HF. Ah. Have fun. Putain, j'ai cru que c'était le niveau bonus, moi. Alors qu'en fait... Le niveau bonus, je viens de le faire. Qu'est-ce que je suis allé trouver là-dedans? Rien du tout. Et voilà. Bon, et ben... très bien. Et du coup, Redfield... Autre backseat. On est d'accord que je ne pourrais plus trouver de potions de soins, du coup... dans cette partie du jeu. J'ai trouvé 3 potions de soins depuis le début de la game. Là, je suis destiné à ne plus avoir de vie. Si t'as utilisé 3 popos, oui. Ok, donc je viens de niquer la game en allant dans le souterrain qui servait à rien. Merci à toi. Je ne pouvais pas savoir. Bon, alors attendez, faut que je me repère parce que là, je ne vois pas. Je pense que je suis là. Non, là, là. Vers le... On va aller au sud. Puis là. Donc là, je suis gros couloir. Là, je suis là, là. Non. Putain, je sais même pas où je suis. Je suis là! Oh la vache! Je suis parti vraiment à l'opposé de ce que je voulais. Ok. Donc là, je remonte. Et je vais arriver à la grande salle. Putain, j'ai plus de vie. C'est une catastrophe. D'ailleurs, il y a une dans la zone du portail. Potion de vie? Je crois que j'en avais trouvé une, ouais. J'ai déjà passé à travers le portail, ouais, une fois, et j'en suis revenu. C'était le moment le plus terrifiant de toute ma aventure. Plus épique aussi. Bon, là, j'avais utilisé une popo de vie, voilà, on la voit. Y'a pas moyen de lécher le pot, genre. Y'a pas moyen de lécher le bord du pot. Que ça me redonne un PV, quoi, un petit PV. De sniffer les effluves qui restent, l'odeur de la vie. Orbe bleu dans le pot. J'ai envie de le tenter, même si jamais.
Vas-y, améliore mon pot de vie. Et non. Bon bah en vrai, autant que j'améliore tout ce que je peux là. Hein. Parce que là... Ah voilà. Hein. C'est plié. Bon alors, qu'est-ce qu'on va améliorer? Les gants, ils sont bien. Very good condition. J'ai pas pu améliorer ça. J'améliore ça. tout est level up au max en fait. Voilà, mes pieds. On va améliorer les pieds. Mais bordel. Je suis nul ou... Ah ok. Fallait déséquiper, j'ai l'impression. Hop, fais voir les conditions de ça. Ah ok. Flawless. Il n'y a pas moyen d'améliorer ça, ok. Ben. Je sais pas quoi améliorer moi. Hein. Mes épées elles sont bonnes, je crois. J'ai amélioré un casque de merde, ça sert à rien, putain. J'ai envie de crever, on peut plus. Ça y est, c'est le point de non-retour, là, on fonce vers notre mort. Je peux rien y faire. Je fais semblant d'améliorer mon équipement, mais... Mais on le sait tous que c'est plié, là. Oh là là. Oh là là, bon. En vrai, y a rien d'autre à améliorer que ce que j'ai... Que ce que j'ai sur moi, là. Bon, bref. Allez hop, tant pis. Vas-y, go. Ça suffit. Et c'est moi. Hop. On laisse toutes les orbes au sol. On laisse le casque amélioré dégueulasse au sol. Voilà, les palantirs. Les 5 boules de cristal de Dragon Ball Z, c'est ça, non? Voilà, on les laisse derrière nous et on va vers notre mort. On les laisse en héritage. Petite pétanque. Ah, j'aimerais bien que le jeu permette ça. Bon, dans ces grandes salles où il y a des stocks de bouffe et tout, je suis étonné qu'il n'y ait absolument rien que je puisse loot. Je suis étonné. C'est des salles avec du gros bordel. Quand je serais dev, j'aurais peut-être caché quelque chose, quoi. Salut, Captain, je viens de YouTube et ton contenu est formidable. Reste comme t'es. Je sais pas. Je comptais orienter mon contenu vers le nazisme. désolé, hein. Non, merci beaucoup. Reste comme t'es, je sais pas. On va évoluer à un moment ou à un autre, quand même. Hein. Le renouvellement des créateurs de contenu, vous savez. C'est essentiel, je pense. Mais Captain Fracas restera toujours Captain Fracas, par contre. Bien sûr. Merci beaucoup, en tout cas, pour le petit message. Bienvenue. Tu arrives dans un moment de détresse. Y'a rien là-dedans. Bon, bah, allez, on y retourne à la mort. Hein. J'y étais allé full life. Je suis ressorti complètement décalqué la dernière fois. Oh, j'ai cru que j'allais avoir de la vie, putain. Mais je crois que c'était là-dedans que j'avais trouvé de la vie la dernière fois. Je crois qu'on avait déjà trouvé de la vie ici, que du coup, bah, c'est plié. Je suis pas sûr que ce soit très porteur avec l'algo YouTube. Non, c'est sûr. Ah non. Merci pour les conseils. Je vais peut-être réfléchir à ma strat pour la suite au final. Je vais peut-être changer de direction, vous avez raison. C'était peut-être pas la meilleure chose à faire. Oh, y'a rien. Bon bah allez. On y retourne. On retourne affronter nos peurs. On retourne affronter le démon. Démon intuable, hein. Moi j'ai l'impression que ce truc il est pas tuable. Pour rappel, la dernière fois que j'étais allé là-bas, il y avait un ogre terrible, un monstre qui m'a dépourvu de toute ma vie. Et j'ai fui cet endroit à cause de ça. J'espère
ne pas retomber dessus. Tu veux un conseil pour le démon? Une astuce pour le démon? Je sais pas. J'ai entendu un bruit. Ça commence mal. C'est le démon qui a éclaté une porte, non? Bon, la dernière fois j'étais allé par là-bas. Par là-bas, ça m'avait amené à tout ce qui est la civilisation. La civilisation qui me donne du loot et tout. J'avais pas vu de chemin qui m'amenait à un endroit intéressant. De ce côté-là, il semblait que c'était la suite de la quête. Enfin, la suite du jeu. On va tenter ça, je vais parier là-dessus. Voilà. En espérant que j'ai enfermé l'ogre derrière. Enfin l'ogre slash démon slash je sais pas quoi. Je suis en stress. On y va. Salut Julien, bienvenue sur le live. J'ai relook en vitesse les vidéos et je pense bien qu'il a oublié une popo. Ah bon? Non, moi je suis convaincu d'en avoir pris 3. 2 en bocal et une dans une fiole ronde. 2 popos au level 1-1. 2-1-3. Ah, il y en avait 4? Terrifiant cet endroit là. Terrifiant et magnifique à la fois. Bon là, autant directement prendre une arme. C'est quoi ces armures là? Coucou. Vous allez pas vous réveiller et vous mettre à me casser la gueule, hein? Hein? J'ai même pas envie d'interagir avec. J'ai même pas envie de cliquer dessus. Je veux même pas tenter. Allez, on sort la torche. Ah, il m'a fait peur. Et la musique, calme-toi. Waouh, je suis dans un monde là. Ça là, les lumières en araignée là. Qui fait ça? Horrible. Allez, une pipe, super. Une pipe et un seau. On va aller loin. À tout moment, tu actives le mécanisme qui réveille les armures. Ah non, faut arrêter un Dark Pit. Ah, non, non. Ah, je me souviens, 3 petits pois, bon chance. Bon chance. T'as ton chat qui te dit ça, c'est pas bon. Ça sent pas bon quand même. Globalement, ça pue Luc. C'est quoi? Mais quel est le but de cette salle? C'est la salle de repos, c'est tu t'assois, t'attends ton tour pour le... C'est la salle d'attente. On est dans un cabinet de dentiste. J'ai découvert le secret du jeu. Le niveau, les niveaux finaux sont un cabinet de dentiste. Non, pas de... Ta gueule l'annonce, merci beaucoup hein. Pardon. C'est la musique.
C'est la musique, j'ai cru que j'entendais des pas. J'ai cru que j'entendais des pas. Pardon. Ful Vlad, merci pour les 3 mois consécutifs. Alors je suis désolé, mais... Ah, je suis dans une tension, là. Je suis dans une tension, c'est pas possible. Merci beaucoup, Veikel. Non, non, mais là... C'est quoi cette porte, là, 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 le prisonnier d'Azkaban, qu'est-ce que c'est? Oh là là, oh là là. On est rentré dans le coffre-fort, là. Il va y avoir du loot, là. Il va y avoir quelque chose, il va y avoir une potion de vie, il va y avoir... Qu'est-ce que c'est que ça? Néant. Une aiguille. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. C'est une métaphore. La métaphore que je vais me faire casser le cul. Clou? Oui, pardon. Quoi? Non, mais ça ressemble à un clou, mais néant, c'est une aiguille, non? Non, peut-être que je me trompe. Ah, désolé, c'est mon anglais. C'est vrai que ça ressemble à un clou. J'allais dire clou au début, mais pour moi, néant, c'est aiguille. Nidon. Ah ouais, non, rien à voir. Vous avez raison. Attends, mais il y avait rien du tout, là? J'ai exploré toute cette zone... Pour qu'il n'y ait rien du tout. Genre des clous quoi. Les clous de la croix du Christ. Tu peux lancer des clous? Non. Hein. Non, on n'a pas de lance-clous dans le jeu et notre personnage n'est pas bon en lancer de clous. Putain, mais dès qu'il y a une fucking... Ah, dès qu'il se passe quelque chose avec ma caméra, je suis en panique. Ça me fait peur, j'ai l'impression qu'il y a un ennemi qui va surgir. Ça suffit la musique qui fait genre il y a des bruits de pas, j'en peux plus. Oh, c'est un délire le lieu là. Y'a aucun loot. Arrêtez les armures, j'en peux plus. Non, les armures c'est non. Je sais pas qui a fait la déco mais il a mauvais goût. Bon là je tourne en rond, on est d'accord? Je suis arrivé par là, je suis parti par ici, j'ai vu tout l'endroit, il n'y avait rien. Pareil, après je suis revenu là. Donc qu'est-ce qu'on fait? Là-bas, ça a l'air d'être the way to go pour la suite, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver des trucs de ce côté-là? Arrêtez les armures. À un moment, toutes les armures vont se mettre à me courir après. C'est vrai, il n'y a pas du tout d'armes de G. Les armes de distance, ça viendra plus tard dans le jeu. Ils les ajouteront après. Qu'est-ce que c'est? Les latrines, là? Et les chiottes? On trouve des chiottes, des files d'attente? Je vous dis, c'est un cabinet de dentiste, depuis le début. Un cabinet de dentiste avec des goûts bizarres pour la déco. 50 nuances de dentiste. C'est ça. Et là, d'un coup, au fond du couloir, on entend un bruit de perceuse. Mais pourquoi la musique elle s'en va? Je fais des blagues, putain! Ça va, vous? Moi, ça va. À ce moment, le dentiste va apparaître. Il va vouloir me refaire les dents avec une Zyander. Mon enfant. Mais y'a rien, c'est stressant. Y'a que des pièces vides là. Depuis le début on se retrouve avec des pièces où il faut chercher partout. Et là y'a rien. Il a pas fini le jeu. Il a pas fait le loot de cette zone du jeu là. Ça y est, j'ai gagné le jeu. Rétention anale, le jeu vidéo. Oh, c'est gras. Quoi? Mais attendez, je suis parti où, là? Je ne reconnais pas cet endroit. Alors là, il y a du matos, mais rien en dessous. Les araignées sur les murs, c'est un délire. J'en peux plus.
Il y a des portes ouvertes et tout. Coucou, il y a quelqu'un ? Maman est rentrée ! Les enfants ? Joue à cache-cache ? Oh là, faut partir de quel côté là ? Bon, je dirais gauche. J'irai du côté de la lumière, regardez. Ah ! Ah ! Ta mère la pute ! C'est pas possible ! C'est pas possible ! Ah ! C'est... Non, j'en peux plus. C'est un jeu de merde, je joue plus jamais à ce jeu. De ma vie, je joue plus. De ma vie. C'est moi, arrêtez de me sniffer le fion là. J'en peux plus. Je sais pas quoi faire, j'ai aucune idée de quoi faire. Qu'est-ce que je suis censé faire, putain de bordel de merde? Qu'est-ce que je suis censé faire, putain? Ferme! Dis-moi que ça a fermé. C'est parce que j'ai marché sur le putain de blason de ces morts là? Qu'est-ce qui les a activés? Tu veux un petit hint? Donne-moi tout, Redfield. Donne-moi tout. Spoil-moi tout, j'en peux plus. Ah, spoil tout. Comment on finit les jeux? Vas-y, dis-moi tout. Je veux plus jamais. Je veux plus jamais. Plus jamais, j'arrête le jeu. J'arrête, on s'arrête là. Ça va que les mecs, ils arrivaient pas à frapper en courant. Ça me met dans un état. Obligé de boire, effectivement. Obligé de couper un... De couler un peu de... Et je pensais que l'ogre c'était fini, moi. Je lui dis, il a mis une grosse bébête dans son putain de jeu de merde. Dans leur putain de jeu de merde, ils sont plusieurs. Je suis pas dit, ils vont en mettre 4 fois. L'ogre est vraiment gentil quoi, par rapport au golem, de fou. Bienvenue dans le niveau 6. Mais quoi, bienvenue dans le niveau 6? C'est ça ton hint là, ton... Comment? C'est quoi ça? Y'a un truc là? Putain, mais y'a des énigmes sur les murs, je suis censé faire quoi moi? C'est bon, je suis safe? Hein? J'ai fini le jeu? Écran crédit? Les écrans titres? Écran titres? Les... Allô? Ah non! Ah! J'ai plus de vie. Il veut quoi, lui? Putain. Allez, ramène ta mère.
Merci beaucoup pour tous les abonnements. Merci pour le soutien. Putain, il reste loin, lui. T'es mort ou pas? T'es sûr que t'es bien mort, hein? Ce jeu me met dans un état. YouTube, on va s'arrêter là pour cette VOD. Peut-être que la prochaine durera 2 minutes. Et que ça sera la fin de l'aventure parce que je suis mort. PTDR, t'es arrivé là, tu veux des infos? Redfield qui n'en croit pas ses yeux dans le chat. Apparemment, je suis allé très très loin dans le jeu. Aïe aïe aïe. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu en commentaire si cette aventure vous plaît. Moi, je la trouve assez unique. Elle est vraiment très très cool. Je suis un peu pété ma voix sur le jeu. On se retrouve au prochain combat, dans la prochaine VOD. On verra combien de temps elle durera. Des bisous.